J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Pas mal de petites choses à vous présenter aujourd'hui. Du TCG, de l'OCG, des sorties et des trucs qui me hype pas mal, notamment l'arrivée des Horus. Mais ça, on en reparle très bientôt. Avant que cette vidéo ne commence, peut-être que vous l'avez vu passer, peut-être que vous l'aviez pas encore rempli. J'ai mis en place un sondage pour essayer de faire un état des lieux du Yu-Gi-Oh! en 2023. Vous êtes déjà plus de 400 à avoir répondu. Et en vrai de vrai, j'aimerais bien atteindre les 500 participations histoire d'avoir un truc. Euh, voilà, 500, c'est euh, visuel, ça parle, tu vois. Donc si jamais mais vous voulez participer, ça prend genre. 3 minutes et le lien est dans la description. Je vous en remercie grandement. Bref, comme d'habitude, si cette vidéo te plaît, le pouce, l'abonnement. Dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires et sans plus attendre, c'est parti pour cette vidéo. Alors, on va commencer avec Agov, donc Age of Overload qui arrive le 20 octobre chez nous, donc dans à peu près deux semaines. Il y a pas mal de choses très cool à l'intérieur. Il y a la Starlight Magician of Bone Unity qui est là pour les 25 ans, qui est présente à l'intérieur et ça, c'est plutôt cool. Franchement, c'est une carte assez emblématique, un peu comme le Dragon 10 000. Il y a le support Visas, il y a l'arrivée des Diable Stars qui. À mon avis, vont être un archétype qui sera plutôt méta. Il y a le support TG, il y a le support Vanquish qui a l'air plutôt sympa, et en plus de ça, Vanquish avait du résultat ce week-end. On en reparle en fin de vidéo, vous inquiétez pas. Il y a le support Electro, moi ça me hype pas mal. Et il y a le support Horus. Et le support Horus, c'est des cartes niveau 8 qui se spé, qui défaussent des trucs. C'est pas fou. <laughs> non, c'est une vanne. C'est complètement broken. J'ai commencé à build un petit peu avec, bien simplement, le deck Orcus. Parce que vous savez que moi, à partir du moment où je peux faire une tambouille qui me permet de poser Dinger sur le terrain, on est là. Et en vrai, le deck fait beaucoup trop de choses. Il donne un accès géré à tout ce qui est niveau 8. Il permet de défausser. Donc, par exemple, tu peux abuser des Brave tokens euh, Puisque, bah, du coup, si l'enchantress est au cimetière, tu pourras quand même activer l'effet. Donc, c'est comme si tu n'avais pas pillé ton cost. Et du coup, tu vas piocher un si tu as eu le starter en main. Enfin, bref, c'est juste vraiment fou. Et en plus de ça, et eh bien, l'archétype, on a eu les lits à part le chercheur et une seule qui est jouée x1 en secret, le reste ça serait visiblement des ultras ou des raretés un peu en dessous. Donc ça fait toujours chier qu'il y ait des secrets dans un archétype qui risque d'être répandu et donc difficile à trouver et donc potentiellement cher, mais à première vue ça reste plus accessible que certains decks. Comme les castira qui on a pu avoir il y a quelques temps. Après, je rappelle que ça sera très probablement joué en tant qu'engine et non pas comme deck, comparé à castira qui était lui un deck pur et à part entière. On a le playmat des WCQ qui a été annoncé avec un visuel assez sympa. Et surtout, il y a un truc qui m'a frappé, c'est que j'ai l'impression que le logo des WCQ a changé. Voilà, le logo est pas tout à fait pareil. Et il y a également la deck box qui, elle, est noire et qui en soit a l'air plutôt sympa. J'avoue que celle-là, c'est peut-être la seule qui m'intéresserait vraiment. Euh, parce que bon, elles sont petites, hein, malheureusement, c'est pas ça, c'est toujours un format qui est problématique. Mais le fait qu'elles soient noires ça donne vraiment un côté neutre à la deck boss que je trouve vraiment sympa. Info qui est tombée pendant que j'étais en train de rédiger le script de cette vidéo. On a le leak du deck de structure Fire King qui arrive, donc le leak TCG, euh, qui arrive chez nous d'ici quelques temps en décembre, si je me trompe pas. L'avantage de ce deck là c'est que même si vous n'êtes pas intéressé par l'archétype, c'est tellement de bonnes cartes à l'intérieur que ça a du sens de l'acheter tout court. On retrouve euh, Droll and Lockburn, on retrouve Jugement Solennel, on retrouve Imperm, on retrouve Tanky, on retrouve Transaction, le Giant Trainer. Alors c'est vrai que le Giant Trainer, c'est une carte qui va pas forcément intéressé beaucoup de monde parce que c'est un niveau 8 mais en vrai de vrai c'est un niveau 8 qui est très utile et qui est pas bah, dans dark world par exemple et qui a une bonne petite valeur actuellement le fait qu'il soit reprint c'est une bonne nouvelle le support en lui même a l'air relativement sympa pour le deck fire king et en soi que tu sois intéressé ou non ça a du sens de l'acheter x3 en Asie ils ont ce qu'on appelle la Campus League là en l'occurrence c'est pour la ligue 2023 et ils ont eu des sleeves et un tapis annoncé à l'effigie du deck Gold Pride vous me connaissez, j'adore les Funko Pop. On les voit un peu dans mon décor d'ailleurs, mais il y en a une grosse partie au-dessus qui ne passe pas dans le cadre avec cette caméra-là. Il y a des nouveaux Funko Pop qui ont été annoncés. Il y a un Jinzo qui a été annoncé ainsi qu'une Dark Magician. Je crois qu'il y a des figurines dont j'avais déjà parlé parce qu'il me semble qu'on les avait en info depuis quelques temps. On a un Ultime Cyber Dragon qui sera en grande figurine. Et surtout, le truc qui moi m'a hype pas mal, c'est une figurine du Blue Ice Toon avec un petit aspect... Euh, je sais pas comment ça s'appelle quand ça brille dans le noir. Phosphorescent Phosphorescent, c'est ça exactement. En vrai, c'est plutôt cool. C'est un petit bonus, ça a l'air d'être une figurine très similaire à celle qu'on a déjà. Et quoi qu'il en soit, je trouve ça vraiment cool de voir la collection de Funko Pop Yugi s'étoffer. Info qui est également tombée pendant que j'étais en train de préparer le script de cette vidéo-là, c'est tout simplement les nouveaux OTS 2023. Il y a plusieurs cartes que dénoncer, notamment Didi, Mais surtout, Contrôleur d'ennemi et Kurikara en Ultimatra. Alors Contrôleur d'ennemi, c'est un vieux staple, etc. Il y a sûrement des joueurs qui seront contents de le récupérer en ulti. Mais surtout, Kurikara ça sera son premier vrai reprint. Un peu comme PTT, en vrai. Euh, et et c'est plutôt un bon reprint, même si c'est moins joué dans le format là. On a vu Samir faire des dingueries avec, et la carte reste très très forte. On repart sur les tapis avec le ranking duel, donc toujours en Asie. Et là en l'occurrence, c'est un tapis qui semble être sur le lore du deck Generider. Un deck qui est pas trop joué, mais qui a des artworks très jolis. Donc, en vrai, le tapis reste super sympa. Et on a également le tapis à l'effigie du nouveau synchro qui est sorti dans Dune, qui lui a été annoncé pour la New York Comic Con en octobre 2023. On a eu une petite annonce. De Maze of Millennium, puisqu'on a simplement eu un visuel du booster, mais à première vue, on retrouve un visuel très proche de Maze qu'on a eu l'année dernière, donc on peut envisager un produit relativement similaire. C'était pas un produit qui était très fou en termes d'achat parce qu'il y avait rien de dingue à l'intérieur à part Baron et Axel Synchrone, je crois. mais Du coup, peu de chance de choper une bonne carte dans ce genre de produit. Par contre, dans les artworks qui sont visibles sur le booster, on retrouve le Junk Warrior, on retrouve du Force Arcane, et on sait également que dans ce booster-là, il y aura le support Dark World, à savoir la fusion Colorless. Alors, il y a une photo de tellement mauvaise qualité qu'on dirait que c'est un leak, deux figurines 5Ds, euh, bon, c'est des monstres un peu emblématiques, du Blackwing a du Junk Warrior, etc. Moi, personnellement, je suis pas très client de cette partie-là des figurines, je préfère largement des Funko Pop dans des belles boîtes, etc., mais... Ça voilà, chacun, euh, tout le monde en a pour son goût bien évidemment. Ce Qui est sûr c'est que ça a l'air d'être un produit dédié pour l'OCG, comme d'habitude, pour tout ce qui est un peu fun dans le monde de Yu-Gi-Oh! Donc à mon avis il y a très peu de chances qu'on voit ce produit-là arriver en TCG. Terminal World c'est un produit qui sort le 25 novembre en OCG et il y a pas mal de dingueries qui sont à l'intérieur, notamment deux cartes qui ont vraiment retenu mon attention. Il y a la lien 3 Infernoid qui a l'air vraiment sympa, on sait qu'Infernoid c'est un deck qui marche bien, c'est un deck qui coûte assez cher mine de rien parce que les cartes sont assez vieilles et il y a également la la piège Ice Barrier. Vous le savez si vous suivez la chaîne, j'adore le deck Ice Barrier même s'il est il était en tout cas très peu jouable avec tout le support et ce genre de cartes. Clairement, peut-être qu'on réussira à bricoler quelque chose d'intéressant, peut-être que Trishula encore de belles années devant lui. Et on termine cette news avant de parler de la partie compétitive avec deux figurines, une officielle et une non officielle. L'officielle, c'est une figurine Dark Magician. Je la trouve très jolie. Maintenant, elle me fait quand même beaucoup, beaucoup penser à des figurines qui sont gratuites et libres d'accès sur les sites d'impression 3D. Est-ce que comme la baguette du Millenium ou le Pulse, il y a eu un petit repêchage de fichiers J'en sais rien. En tout cas, ça m'y fait grandement penser. Et on a également une figurine de Kitsune figurine. Alors, déjà, quoi qu'il en soit, j'adore ces figurines-là. Ne serait-ce parce qu'on les voit souvent en photo et je trouve ça trop stylé, ces petits meubles-là où t'as plein de figurines. C'est une figurine de Kaiba avec l'Ultime Blue Eyes qui sera visiblement autour des 600 balles hors taxe. Donc, c'est très cher. Elles sont connues pour être très chères. Hein, c'est un fait. Elle a l'air vraiment très quali. Euh, vraiment très représentative de Kaiba. Il a un petit air hautain, etc. Je trouve ça vraiment très stylé. En vrai de vrai, j'aurais jamais le budget. En tout cas, je souhaite pas mettre ce budget-là dans ce genre de figurine. Mais et pour quelqu'un qui a le budget et qui a du goût, bah clairement, la figurine est pas mal. Et on termine avec le Grec Dortmund, qui comptait 2580 joueurs. Ça, c'est incroyable. On a vu la finale, Rika contre Vanquish. Alors, c'est vraiment deux decks que je trouve controversés, dans le sens où Rika, c'est le deck qui a gagné un nombre incalculable de Majors, sans jamais, mais absolument jamais touché par la nabaniste Et je trouve ça absolument incroyable. Et tout est basé sur le fait que les adversaires ne lisent pas les cartes Rika en entière. C'est vraiment dingue, hein. Parce que, clairement, c'est basé uniquement là-dessus. Alors, il y a vraiment plein de trucs. Rika est costaud, Rika peut faire peut gérer plein de situations, Rika peut jouer sur des bacros, etc. C'est un fait. Mais il y a une grosse partie du fait que les cartes Rika sont méconnues, malgré le fait que c'est gagné euh, l'Europe, et je ne sais pas combien de Majors à côté. La deuxième déclise, c'est Vanquish. Vanquish qui... Euh a l'air d'être assez boudé par les joueurs dans le sens où l'archétype en lui-même semble faire des trucs mais semble faible par rapport à d'autres decks, même si je le trouve perso très intéressant mais surtout qu'il est obligé de jouer Tissibou pour gagner, c'est vraiment l'argument qui revient tout le temps, et le fait qu'il ait genre 25 free spots. C'est deux decks qui sont un peu controversés dans le sens où ils sont pas forcément les plus appréciés ou les plus représentés, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils arrivent en finale et que c'est Rika qui gagne. Pour tout ce qui est du top 16, on a quand même un top 16 assez diversifié et ça j'aime pas mal on retrouve donc Rika Vanquish, euh, 1, 3, 4, Runchain du brandet du Flunder, du Purelli, du Terra Element, du Chimera, du Dragonlink, du Labrin, du Manadium, du Terra Element. C'est fou parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 11 decks différents en top 16. C'est beau! Et en même temps, c'est problématique pour les joueurs qui veulent side, mais c'est beau. Moi, j'adore ces formats-là. C'est assez dingue de voir autant de decks et une diversité aussi complète dans le format. Si jamais vous êtes intéressé par le fichier que j'utilise, c'est un fichier qui n'a pas du tout été créé par mes soins et qui répertorie la plupart des decks, des joueurs, des skis joués, les, les, le placement, etc. Si jamais ça vous intéresse, je mets le lien du fichier euh, qui est un Google Drive accessible dans la description. Alors, vous l'avez peut-être vu passer, mais big up à la BCP et à cette photo de Samir qui embrasse sa carte. Euh, ils ont fait des bons résultats il y en a pas mal qui ont été en top etc et bah merci à eux et à tous les joueurs français d'avoir représenté notre pays pendant le tournoi pour ce qui est de la représentation des decks le day one on avait 11% d'unshain on avait 10% de purelli 9% de terra element 7% de flunder 6 de la et 5 de brandet et 52 de hoser c'est énorme 52 de hoser et arrive au top 4 il restait 16% de terra element de l'unshain à hauteur de 14% du dragoning à hauteur de 13% Dragon Link avec la banlieue 13% le deck est encore solide on va pas se mentir hein. Branded brandet 8% flunder 8% manager 5% et Other 36%. Et on a vu le top 16 juste avant ensemble, bien évidemment. Ce qui est intéressant quand même d'analyser, c'est cette dernière statistique que j'ai trouvé dans le fameux fichier dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir les staples du format, et ça j'ai trouvé très intéressant. On retrouve donc TTT qui est la carte la plus répandue, suivie de juste après euh, Plumeau d'Amarpie, Ash Blossom, and Lockburn. PTT qui, mine de rien, est beaucoup moins représenté que TTT. Alors, moi, bon, c'est un choix, etc. Le Druswyrm, qui lui est <laughs> présent à à hauteur de quasiment 5%, je trouve ça fou. Des imperms, des nibs, et puis après on a X6 encore qui est un staple pas très répandu mine de rien, mais qui est à hauteur de 2%. Et des lightning storm à 4%. Il euh, y a également du Fenrir splash un peu partout à hauteur de 2,7%. Ce tableau-là, je le trouve très intéressant et mine de rien, il représente bien le format, à savoir il n'y a pas vraiment de qui sont ultra impactantes contre les decks. Donc, on va revenir sur les primordiaux. Ash Blossom, Droll, Nibiru, Imperm. Et on a juste en fonction du match-up. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On a abordé pas mal de choses. Franchement, je trouve ça cool. C'est Yugi News. Tu peux parler de tapis, de Funko Pop. Vraiment, ça se sent que Yugi a repris en ce début de saison. C'est un peu moins plat que les précédentes Yugi News. Et moi, ça me plaît encore plus à tourner. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, le pouce abonnement, Oubliez pas s'il vous plaît. Mais ouais, si ça vous plaît pas, bah, vous n'êtes pas obligé de le faire faire de participer au sondage histoire d'atteindre les 500 participations si on en a plus franchement je serais trop content d'en avoir plus je vais pas viser les 1000 parce que ça fait beaucoup trop mais 500 ce serait déjà vraiment un bon panel bref sans plus attendre prenez soin de vous faites un gros duel et collection de cartes surtout à bientôt les potes al ciao